Rose, elle est grande, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, vous avez raison, Esther, c'est une jolie plante. Mon Dieu, Rose! 2 ans, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as changé en 2 ans? Anne, je vous présente ma fille, Rose. Elle a 18 ans. Bonjour, elle. T'as fait bon voyage? Tu vas te fatiguer? Tu as vu comme c'est beau? Regarde, tout sera bien ici. Excusez-moi, le nombre de retrouvailles que ces portables ont pu gâcher. Alors oui? T'as faim peut-être, hein? On va aller manger au restaurant. OK, d'accord, j'arrive, hein? Bon, je dois repasser à la clinique. Je te dépose en voiture? D'accord. C'est un accident de montagne, j'ai préféré que tu sois là. C'est dans la poire au buffard. Comme un moyen, un gros fracas de la jambe gauche, complètement explosé. On sait rien d'autre. Si, 28 ans, 1m84. Il s'appelle... Paul Fortin. Bon, Paul. C'est un ami? Jamais. Coma stade 2, sans doute transitoire dû au choc, colonne vertébrale épargnée. Polyfracture ouverte dans la jambe gauche. Traitement antibiotique à forte dose pour le moment. C'est toi qui vas l'opérer? Tu sais très bien que je peux toujours pas. Klein de la tank bloque. Tu le connais bien? Tu vas peut-être te décider à me raconter. Quand j'étais... Enfin, je veux dire... Il y a quelques années... C'était... 2 ou 3 ans avant mon accident. Paul est venu me trouver. Il débitait. Il avait du cran.
Il en voulait. Évidemment, je l'ai pris sous mon aile. Tu l'as fait exprès quand même. Hein? Voilà ta chambre, ma fille. Ah ouais. Et toi, où tu dors? Moi, t'inquiète pas, je dors dans le salon. Elle te plaît? Ouais, ça va. Alors, maintenant que tu es avec moi, t'es pas trop triste d'avoir quitté ton papa? Tendez. Et Pointe-à-Pitre, comment tu as quitté Pointe-à-Pitre? Oh, toujours pareil. C'est pas parce que je te parle de Pointe-à-Pitre que je te parle du reste. Hein. J'ai promis à ton père qu'on ne parlerait plus du passé. Toi et moi, on repart à zéro. D'accord? Ok. Il faut que j'aille acheter quelque chose, là. Mais de quoi tu as besoin? J'ai tout ce qu'il te faut. Non, non, ça va, je vais sortir. Mais tu veux que je t'accompagne? Non, je te... non, ça va, merci. Je me débrouille. Mais Rose, tu ne connais pas la ville. T'inquiète. Il faut que vous compreniez que tant qu'il n'est pas sorti du coma, les soins ne sont que palliatifs. Palliatifs? Oui, on garde ses organes vitaux en éveil en attendant de pouvoir soigner ses fractures. Je comprends pas comment il a pu se vautrer comme ça. Mais attends, c'est pas le problème, là. Écoutez, moi, je suis chirurgien, je ne suis pas guide de haute montagne. Pour ça, adressez-vous à sa kiné, Anne Belfond. Ah, d'accord. Elle était... Enfin, s'y connaît mieux que moi en montagne. Oui, ça va, je la connais. Oui, on la connaît tous. Elle est là, en ce moment. Oh, merci, parce que je ne serais pas arrivée toute seule. Et alors, pourquoi Rosé est restée si longtemps avec son père? Mais quand on s'est séparés, son père et moi, on a pensé que c'était mieux qu'elle reste en Guadeloupe. Ah. Moi, j'étais entre deux jobs. Et puis, le soleil des îles, c'est mieux pour elle qu'à Paris. Hein? Ah, ça... Et vous laissez une gamine et vous récupérez une ado. Excusez-moi, j'ai cru reconnaître quelqu'un. Anne, le jeune Fortier a une visite. Bonjour Claire, ça va? Ça pourrait aller mieux. Paul est dans le coma. Et je suis encore là, c'est ça? Écoute Claire, ici je suis kiné, c'est tout. Le reste c'est du passé. Je vais m'occuper de Paul parce que... Bah parce que c'est mon boulot et... Parce que je pense être la mieux placée pour le faire, c'est tout. Tu sais qu'il m'est arrivé la même chose. J'ai eu un accident en montagne. J'ai failli mourir là-haut. On sait, on sait. À Chamonix, tout le monde sait ce qui vous est arrivé. Bon, on peut le voir? Mais bien, suis-moi. On va d'abord attendre qu'il sorte du coma et puis on pourra s'occuper sérieusement de sa jambe et faire un pronostic valable. Et ce sera quand tout ça? Je sais pas. Paul est en très bonne forme physique, ça aide. Ce café
C'est une fête, je supporte pas. Mais il sort du coma, dis donc. Vite, avertis le Toulib. Paul, vous m'entendez? Vous vous réveillez, vous sortez du coma. Vous m'entendez? Le docteur va bientôt arriver. Oui, Esther. Il s'est réveillé combien de temps? Quelques minutes, et encore. Ce qu'on lui donne, c'est la somme complètement. Mais enfin, maintenant, c'est plus un légume. Il respire tout seul. Je suis sûre que ça va aller mieux maintenant. Je suis sûre. Tu peux venir chez Klein? Qu'est-ce qu'il veut? Viens. Il n'y a plus rien à faire. La septicémie est bien engagée. Les antibiotiques, c'est comme un barrage. Quand ils cèdent, on ne peut plus endiguer l'infection. L'infection? De quoi il parle? De la jambe de Paul Forti. On est en face d'une septicémie foudroyante. Anne, si on veut sauver Forti, il faut l'amputer. Regarde les résultats de la NFS que vient de lui faire. L'amputer? Ouais. Au-dessus du genou. Je sais ce que tu ressens. C'est pas possible, on coupait la jambe en 14 dans les tranchées. Pas ici, pas dans cette clinique. J'ai faxé à Cochin le dossier pour Berg. Il vient de confirmer, on ne peut pas faire autrement. Mais enfin, on peut sûrement faire autrement. Anne, je suis chirurgien. Oui, moi je suis kiné, je sais. Attends Stéphane, c'est pas possible, t'as ton mot à dire quand même. Tu peux pas laisser faire ça. T'es quand même toujours le patron de la clinique, non? Écoute Anne, si je parais encore, je prendrais exactement la même décision qu'Arnaud. Écoute, Anne, tu n'es absolument pas responsable de cet accident. Si tu n'avais pas pris Paul sous ton aile à l'époque, il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Mais tu sais pas tout. C'est pas lui qui est venu me trouver. C'est moi qui suis allée le chercher. Ça change quoi? De toute façon, les risques de la montagne, tout le monde les connaît, non? Ça fait partie du métier, t'es bien placé pour le savoir. Et vibrer avec la montagne. Il était vraiment doué pour ça. C'est pour ça que j'ai voulu lui faire connaître Grand Trip, les expéditions, tout ça. Mais dis-moi, il se serait pas passé autre chose entre vous? Sur moi. Ah ouais? Pourquoi? Ben si. Tu croyais dénicher le rébuffa de la décennie, le rébuffa, il dérape. Ah ouais? Et il dérape comment? Comme ça? Le fil. Victime 3-0. Martine, épongez-moi. Oh.
Passez-moi le rétracteur. La lumière. La lumière. Passez-moi la scie. Aspirez. Allez, monsieur Malval, vous portez bien tout votre poids sur la jambe gauche, hein? Voilà, très bien. Et sans trop forcer, hein? C'est très bien, on recommence. Anna, l'opération a commencé. Ça ne va pas, ma petite Anne? Ça va bien, vous n'êtes pas malade, vous. Non, non, monsieur Malval. Amoureuse, alors? Allez. On recommence. Écoute, Rose, tu es inscrite en troisième dans un très bon lycée. C'est important, la troisième. Je sais ce que c'est que la troisième, mais je m'en fous du bahut. Mais comment tu peux dire ça? Écoute, on en a parlé 100 fois, Rose. Maintenant que tu viens avec moi ici, on ne reparle plus de là-bas. Mais pour oublier, il faudra arrêter d'en parler, hein. Je te prie de m'excuser. Je voulais seulement te dire qu'il t'avait donné une seconde chance et qu'il fallait pas la laisser passer. Ils t'ont bien fait la leçon, hein. On dirait le juge pour enfants. Tu sais même les phrases qu'il faut dire, hein. Mais comment tu me parles? Je suis ta mère, quand même. T'as appris par cœur les papiers qu'ils t'ont envoyés? Ça suffit qu'ils t'ont fait faire un stage? Ça suffit, Rose! Oh! On dirait que oui! J'en ai marre de cette barrage, je me casse! Paul. Je peux te parler en particulier? Bien, suis-moi. Vous pouvez l'attendre en bas dans le hall? On revient. Oui, mais... Attends, je te dis passe, là. Comment ils ont pu faire une chose pareille? On n'a pas le droit. On n'avait pas le choix. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Parce que vous portez une blouse blanche, vous croyez que... Une infection très grave s'est déclarée. Il le fallait. Tu sais, il va falloir que tu sois forte pour demain. Parce que quand Paul se réveillera, il aura besoin de toi. Je vous laisserai pas me le prendre une deuxième fois. Qu'est-ce que tu racontes? Vous savez très bien. Et après la grande Anne Belfond, idole de tous les montagnards. Anne Belfond qui naît, l'espoir des alpinistes déchus. Osez dire que vous n'y avez pas pensé. Mais je te jure que non. Je vous crois pas. Quelle horreur. Allez, dis-le.
Faites tout ce que vous pouvez. Tant pis si... C'est ma confiance. C'est quoi tout ce barda? Vous avez fait une chute en montagne. Vous êtes à la clinique Blanche. Anne, c'est toi. Anne Belfond. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis devenue kiné après. J'ai voulu t'écrire un mot et puis... T'as rien trouvé de mieux comme boulot. J'ai choisi. Chacun son truc. Alors maintenant, t'es kiné. C'est marrant. T'es venu pour me dire bonjour. Je comprends pas. Je suis venu pour travailler, Paul. J'ai beaucoup morflé. Qu'est-ce que c'est? Mais qui m'a fait ça? Attends, calme-toi. Qu'est-ce que c'est? Calme-toi, attends, je vais t'expliquer. Les chirurgiens n'avaient pas le choix. T'as une infection très grave qui s'est déclarée pendant ton coma. Il le fallait. C'était une question de survie. Je sais, ça va être très dur au début. Avec une prothèse, tu pourras... Oh, sors, s'il te plaît. Tu sais, moi aussi, j'ai... Sors. Bonjour, je m'appelle Esther et je vais m'occuper de vous. Je viens juste vérifier votre perfusion. Je reviens tout à l'heure avec le docteur. Vous avez besoin de quelque chose? Bon, ben je m'en vais. Klein a dû intervenir. J'ai compris, il m'a amputé parce qu'il pouvait pas faire autrement. Que vous compreniez que je n'ai pas effectué cette opération de gaieté de cœur. C'est une belle jambe. Et dès la semaine prochaine, vous pourrez vous lever. Lève-toi et marche. C'est ça, hein? La montagne, je pourrais regrimper. Non, vous ne pouvez plus regrimper. Je suis désolé. Laissez-moi dormir. Vous avez pas compris, là? Laissez-moi dormir. Se calmer. Avec la dose de morphine qu'on lui a injectée,
S'il croit que ça me fait plaisir de jouer les bouchers. J'ai effectué 2 amputations dans ma vie. C'est pas un geste qu'on oublie. Pourquoi tu lui as dit que la montagne s'était foutue pour lui? Enfin, ça me paraît évident, non? Non, mais t'as vu comment il m'avait parlé la dernière fois? Je lui dis attention, calme ta joie, quoi. Non, mais j'aime. Ouais, mais c'est ça, m'énerve, quoi. J'aime pas les mecs qui parlent comme ça. Qu'est-ce que t'en as? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je putain, on est là. Heureusement que vous êtes là, là. Non, franchement, vous êtes trop tôt. Si vous étiez pas là. Non, non, désolé, je touche pas à ça, moi. Je préfère danser, franchement. Ouvre-moi, s'il te plaît. J'ai oublié mes clés. Oui, oui, je t'ouvre. Oh, merde! Hé, hey, Bichka, ramène-toi. Ramène. Non, mais les gars, c'est ma Ronda. Allez, barrez-vous. Prends tes affaires. Quoi, casse-toi. Quoi, 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 quoi. Allez, dépêche-toi, casse-toi. Casse-toi, là. Dépêche-toi. Dépêche-toi, là. Dépêche-toi. Vite, cassez-vous. Là. Quoi? Toute cette classe sous ma moquette. Tu as mangé tout ça? Ben quoi, j'ai pas le droit. Non, c'est pas ça, mais tu veux plus ranger un peu quand même. Tu vois que c'est agréable de sortir du travail et de trouver ça chez soi? Tu n'es pas assez à nettoyer comme ça à la clinique? Viens m'aider un peu là. Oh non, 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 demain j'ai un contrôle. Mais comment ça un contrôle? Écoute, viens là, hein. Mais Rose! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, je vous connais quand même, Esther. Je vois bien que ça va pas. C'est Rose, c'est ça? Vous savez, je vous ai vu changer hein, depuis l'arrivée de votre fille. À l'âge de Rose, souvent les parents perdent le contact. Surtout quand on vit éloigné les uns des autres. Pourtant, je fais des efforts, hein, je vous assure. J'essaie de lui parler, de rester avec elle, mais quand je travaille, je ne peux pas la surveiller et elle, elle en profite pour faire des bêtises. Pourquoi je vous raconte tout ça? Vous avez le chic, vous pouvez en parler déjà. Seulement mes amis, Esther. Seulement mes amis. Vous savez quoi? On pourrait faire travailler Rose à la clinique. Par exemple, je sais pas moi, les après-midi où elle n'a pas cours ou le samedi matin. Comme ça, ça nous ferait un petit peu d'argent de poche. Puis ça lui permettrait de découvrir autre chose. Et puis comme ça, vous l'auriez à l'œil un petit peu. Vous pourriez l'apprivoiser. Mais c'est sympa, ça. Ouais, ouais, on va s'occuper de ça. Merci, on va s'occuper beaucoup. De ça. Cathy a eu 3 petits chiots tout mignons. On en garde un? C'est ça, ouais. Je vais me promener le week-end à cloche-pied. Arrête, Paul. Excusez-moi. Je vous laisse, je reviendrai plus tard. Pourquoi faire? Tu sais, ta cicatrisation est presque terminée. On pourrait commencer à travailler un petit peu. La cicatrisation? Mon moignon.
Magnon, c'est laid, hein, comme mot. Tu trouves pas? S'il te plaît. Bon, je vais y aller. Tu restes. Anne, je suis ravie que tu te sors ces clés dans le corps médical. Si t'es venue ici pour nous fourguer tes services, ne te fatigue pas. On n'a pas besoin de toi dans cette chambre. Tu sais, j'étais à peu près dans le même état d'esprit quand je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital après mon accident. Je suis sûr que t'as vécu des choses passionnantes. Fais-en un bouquin, mais épargne-nous ta guerre. Paul. Ta rééducation, tes prothèses et tes barres d'exercice, tout ça, tu coches, non, ça m'ira très bien. Allez, t'as sûrement d'autres gens à voir. Je voudrais pas te mettre en retard. Tu vois, t'as pas grand-chose à craindre. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Rien. M'a encore jeté hier. Décidément. Qu'est-ce que je fais? J'insiste? Écoute, pour l'instant, il dort 20 heures par jour. Laisse-le récupérer encore un peu. Surveiller, tu vois, je travaille. Écoute-moi, ça n'a pas été facile pour moi de te trouver ce travail. Si c'était pour me trouver ça, ce boulot de merde, fallait pas te prendre la tête, hein. D'abord, où est ta blouse? Remets-la. C'est pas de force. Ramène-moi dans ma chambre tout de suite! Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez ma photo? Vous avez jamais vu un type dans un fauteuil? Non mais Jorem! Comment faut-il le dire? En albanais? Je veux pas de ces conneries! Je m'en occupe. Écoute Paul, ça va, hein? T'as fait ton petit numéro, t'as impressionné tout le monde, très bien. Maintenant on va se mettre au travail. Mais au travail de quoi? T'es aveugle, hein? T'as pas vu que tes petits copains, ils m'avaient coupé une guibole? Mais tu crois quoi, toi? Que ça va repousser tout seul? Écoute, Paul, il y a des tas de gens qui marchent avec une seule jambe. Tu dois essayer. Mais je m'en fous des autres! Paul, tu dois essayer. Paul, fais ci, Paul, fais ça. C'est pas toi qui es dans un fauteuil, Anne. Écoute, moi aussi, au début, j'ai voulu renoncer. Et puis... Ah non, pas ça. Tu vas pas en plus me gonfler avec ton expérience. Anne, t'as encore tes deux jambes. Tu saisis la différence? Alors, si tu veux te rendre utile, tu peux aller me chercher une caisse à roulettes et deux fers à repasser. Moi, je me tire. Je me tire! Attention, quand même. Pardon, pardon. Vous entraîne à entrer sans frapper? Hé, hey, je suis venue ici pour vider vos poubelles, alors si vous n'êtes pas content, vous pouvez les garder, ok? Ça va, j'ai rien dit. T'as quel âge? Tu veux voir ma carte? T'es mineur. Ils font bosser des mineurs ici? On te force à être là, c'est ça? Ouais, il y a de ça. C'est toi l'alpiniste, hein? Ouais, c'était. J'ai jamais été en montagne, moi. T'es déjà monté haut? Un peu. Combien? 7000 et plus. Waouh! Hé, ça doit être d'enfer là-haut, hein? Tu sais d'où je viens? Je viens de la Guadeloupe. Tu connais? Là-bas, il n'y a jamais de neige. Je sais, ouais. Ça doit être bien comme endroit. Ah. Et Rose, vous bougez votre chariot? Oui, madame. Bon, il faut que j'y aille. Thank you.
Bonjour, Paul. Laisse-moi. Tenez, vous avez perdu ça. Et mais tant que le fond. Ne vous inquiétez pas, ça va peut-être les calmer. Mais tu t'en es tiré, Paul. T'as la chance d'être en vie. La chance? Comment tu peux parler de chance? Moi, j'aurais préféré crever plutôt que de me retrouver dans ce... Merde. J'ai du temps juste au la morphine et le régime avant de crever. Tout. Et toi, tu penses qu'une chose, c'est... C'est me refourguer ta prothèse! Je vais avertir un médecin. C'est ça. Voilà. Ah. Alors ça, c'est un modèle qu'un alpiniste a mis 10 ans à mettre au point. Là, tu as l'emboîture en carbone, dans laquelle tu places le moignon. Ton genou est articulé par des molettes en titane. Ouais. Et grâce à ce système pneumatique, tu peux contrôler l'articulation. Et enfin, tu as la semelle en carbone, qui est d'une grande souplesse. Alors maintenant, pour bien comprendre, génial. Je vais te montrer la cassette. C'est super léger, ton truc, en plus, hein. Pour l'escalade, donc, il faut que je rigidifie ce genou pour pouvoir avoir plus de mobilité et pouvoir monter le pied sur des prises en hauteur. Donc, j'ai ce réglage-là. Eh bien, c'est impressionnant. Ici, molette, je peux l'emprunter? Je la rends vite, hein. Ça va être vachement utile. C'est à toi. Super, je te remercie. Quand tu veux. Depuis que vous vous occupez de lui, il s'enfonce comme une pierre. Je sais pas pourquoi, mais c'est affreux. J'en peux plus de voir ça, moi. T'as déjà appelé ses parents? Je vais le faire ce soir. Avec le décalage horaire, j'ai une chance de les avoir. Ils trouveront un spécialiste à New York. Écoute, sa réaction est un peu forte, c'est vrai, mais je suis sûre que c'est normal. Mais c'est vraiment pas le moment de le transmettre, je t'assure. Tu te rappelles, à l'époque, quand je suis venue le trouver? Mais qu'est-ce que tu crois? Hein, qu'est-ce que tu crois? Que j'essaie de me le garder? Eh ben oui, oui, j'essaie de le garder, c'est vrai. Mais pour le soigner, pour le remettre sur pied. Tu comprends? Écoute, tu te rappelles, j'ai su trouver les mots à l'époque et ils m'écoutaient. Alors fais-moi confiance, Claire, je t'en prie. C'est juste... C'est juste une question de temps, une question de jour. Question de jour? Quelques-uns, seulement. Hein? Calmant. T'en fais pas assez, ta main? Non, c'est pas pour moi, c'est juste pour les faire chier. Comme ça, ça les oblige à refaire les stocks toutes les semaines. Ah ouais, je peux t'aider? T'as pas cours? Moi, cours? Tu laisses tomber. Et ta mère? Et ma mère, tu lui dis pas, hein, déconne pas. T'inquiète pas, va. Joséphine Baker et moi, on est un peu en froid. Joséphine Baker?
grillés. Ouais, qu'est-ce qu'on en fait? On va les balancer dans le lac. Ça va les calmer, les touristes. Ils font toujours trop de bruit en vacances. Ouais, t'as raison. Ouais, ça me prend, ça. Écoute, tiens bien les cargaisons. Ça va tomber dans les virages. Tu m'emmènes où, là? T'inquiète, fais confiance. Paul? 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 Excusez-moi, vous n'avez pas vu le jeune Forti ce matin? Ben, vous l'avez vu? Votre passion, il fait du tourisme. Aquatique. Comment ça, du tourisme aquatique? Tourisme aquatique. C'est pas les touristes que tu vas calmer, ce sont les poissons. Regarde, on a du public. Bah c'est bien, au moins on va les distraire. Tu devrais te baigner. Ils applaudiraient. Chiche. Et toi? Attention, il faudra pas me le dire deux fois. Hein. La Joséphine. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? C'est ma fille Rose qui est partie avec Paul dans un bateau. Bon, Bernard, prenez le bateau, allez les chercher. Ça y est, voilà le grand chef qui s'en mêle. Excusez-moi. On va les chercher. Ça te dit? Les Fidji. Tu crois qu'il va y arriver? Ouais. Alors les Fidji. Ah. Eh ben, il y avait longtemps. C'est râpé, hein, pour les Fidji. De vous? Ah, fais pas cette tête! Un peu d'air pur et une belle vue, c'est bon pour mon traitement, non? C'est peut-être pas dans la méthode Bellefond. Mon pauvre Paul, mais t'es vraiment devenu un pauvre voyou, hein? Et toi, Rose, c'est vachement sympa pour ta mère. Laisse, laisse. La morale, c'est son grand truc. Chaque jour, faut qu'elle en rajoute une dose, alors tu sais. Et ben voilà! Bon, relax, admire le paysage. Ouais, c'est ça, va. Tu nous as assez ridiculisés comme ça, on rentre maintenant. Eh ben quoi? En fait, qu'est-ce qui t'a pris? Pas fini de me faire honte. Bon, allez, messieurs, dames, au travail. Le coup de la barque, sur le pompon. Il va peut-être rajouter ça à son programme. Massage, rééducation et promenade en barque. Écoutez, ça suffit maintenant. On est dans une clinique ici, pas dans un salon de thé. Alors, quant à mademoiselle Bellefond, elle affronte un problème, c'est tout. Et c'est pas vos commérages qui vont l'aider beaucoup. Je ne te cache pas, je suis plutôt pessimiste. Tu n'arrives à rien avec Forti. Je me demande si dans son état, il ne vaudrait pas mieux le transférer dans une maison de convalescence psychiatrique, par exemple. Ah, bah ça, c'est une bonne idée. Tu lui coupes une jambe, puis comme il flippe pas peur, allez hop, chez les dingues. Un top, Arnaud, un top. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je fais confiance à Anne. Faut simplement lui laisser un peu de temps. Dépêchez-vous, hein, parce que si ça continue, ce patient va devenir une attraction. Vous voulez reprendre un petit peu de gratin, Esther? Ah non, merci. C'est très bon, mais sans façon. Et toi, Rose? Non, merci, ça va. Ah, dis-moi, tu voudrais faire quoi, toi, plus tard? Infirmière, ça te plairait? Pour torcher le cul des autres? Bon, mais je vais chercher le fromage. Hein. Ah, bah, vous verrez, il y a de la salade à côté aussi. D'accord. Tu sais, on peut parler un petit peu toutes les deux, si tu veux. De quoi? Ta mère est très inquiète. Elle se fait beaucoup de soucis pour toi.
Pendant 2 ans, il n'était pas tant que ça. Écoute, Rose, c'est peut-être pas plus mal pour toi que tu restes là-bas. Qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez là-bas? Non. Alors, occupez-vous de vos affaires, d'accord? Ça, c'est l'exactitude d'un pilote de chasse. Hein. 15h45, alors? Ils ont refait les stocks, c'est con. Tadam, tadam. Il peut filer de la morphine, des calmants, mais je suis sûre qu'ils ne donnent jamais de ça. Avec ça, on guérit plus vite. Du chocolat. Hein? C'est pour moi? Ouais, je l'ai décoré moi-même. Ça, ça vaut toutes les perfusions du monde. La première poche, ça doit être la deuxième. Bien. C'était où? L'an dernier, au Népal. Oh la vache, t'es monté là-haut? Ouais. Oh. Et je devais même faire l'Everest cette année. J'avais mis assez de trucs de côté et puis... Un jour peut-être. Tu parles. Rose, la photo. Pareil. Allez, Rose. Allez, attrape. Non. Allez, tiens ta photo. T'arrêtes jamais, toi. Je te laisse, hein. C'est quoi le beau programme que tu m'as réservé aujourd'hui? Après la vidéo de Cindy Crawford, la cassette du docteur Belfort. Tu vas faire un carton à Noël. Plus de mobilité. Facile. Et pouvoir monter le prix sur les prises en hauteur. C'est pour ça que tu te bagarres avec la direction? Mais fallait m'en parler, hein, je t'aurais fait gagner du temps. Qu'est-ce que tu cherches là? Tu veux pourrir sur place, c'est ça? Ah, c'est facile de patauger dans le malheur, hein. C'est facile. Bien, vas-y, continue. De jouer les malades ténébreux, les hommes blessés. C'est commode. Mais c'est nul. Tu m'entends, c'est nul. Parce que tu doutes bien que plus tu fermes la porte, plus on est nombreux derrière à la pousser. À se demander si tu le fais pas exprès. Belle analyse. Mais t'as raté ta vocation. T'aurais dû faire psycho. Et te mettre au bar parallèle, essayer de remarcher. Alors là, tu crèves de trouille. Mais faut pas, c'est ça? C'est pas bien de crever de trouille. C'est vrai que toi, t'as donné l'exemple. T'as été tellement courageuse. Bien sûr, toi, t'as jamais crevé de trouille. T'es remontée là-haut. T'as mis tes crampons pas une seule fois. Et pourtant, t'as encore tes deux jambes, alors pourquoi t'es pas remontée? Par contre, pour faire chier le monde, madame est la première. Mais regarde-toi. T'es là, tu donnes des conseils à tout le monde, et t'es même pas foutue de... Allez, ouais, je t'ai tout dit. Ouais. Thank you.
cherchais un moyen pour te faire chier, bah j'ai trouvé. Chaque fois que tu vas me parler de ta prothèse et de toutes tes conneries, et bah moi je vais te parler de la mentale. Tu peux me répéter ? Non, j'ai mal entendu. Non, non, t'as très bien entendu. Si tu remarches, moi je remonte là-haut. Donnant. Joli coup de bluff. C'est pas un coup de bluff, Paul. C'est un deal. Je remonte, tu remarches. Attends, mais c'est surprise, surprise ce que tu me fais. Si moi je chausse ta prothèse en plastoc, toi tu regrimpes avec tes crampons. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Mais à une condition. Pourquoi tu rajoutes une condition? Ah, juste pour être sûr que tu bluffes pas. Bah vas-y, je t'écoute. Je remonte avec toi. Ah bah. Ton deal, sinon il m'intéresse pas. Avec ma super prothèse. À grimper, ça doit être faisable, non? C'est que... Quoi? Remonter pour toi, Paul. Pour l'infirme de service, c'est ça. C'est pas possible. C'est pas ce que je voulais dire. Ma grande. Moi, c'est ça ou rien. C'est une aberration, Anne. Il est diminué physiquement, médicalement encore très fragile. Là, excuse-moi, mais je... Bah vas-y, dis-le. Oui, bah je m'y oppose. Tu me déçois, Stéphane. Je peux pas te suivre, Anne. Je suis désolé, je peux pas. Réfléchis bien à ce que tu fais. Ça va? Oui, je... Paul, il faut que je te parle. Tu sais, la mutation que j'ai demandée, ils me l'ont accordée. Formidable. Je me disais que peut-être... Je t'accepte, Claire. Mais je reviendrai souvent. T'es qu'une dégonflée, mais tu me dégoûtes. Mais attends, Paul. Alors tes copains t'oublient, ils te font les gros yeux, et toi tu renonces. Mais la vérité, c'est que t'as la trouille, ouais. Non, c'est pas ça. J'aime les défis. Mais je suis aussi quelqu'un de responsable. Et médicalement, pour toi, c'est très dangereux. Parle, ouais. Des unijambistes faire des exploits, moi j'en ai vu. Y a même des plongeurs. Ils replongent après s'être fait bouffer la jambe par Arquin. Anne, tout ça, c'est une affaire de volonté, tu le sais. Ouais, la volonté, je connais. Alors ? Alors comment tu vas faire admettre ça par Klein ? Tu vois, depuis hier, t'as débloqué quelque chose. Il y a comment dire... J'ai 28 ans. Si je veux remonter, il y a personne qui m'en empêchera. Ça vous emmerde, cette histoire. Ne
disant que je tiens à vous donner un avis médical. Vous voulez me faire croire que je pourrais jamais regrimper, c'est ça? On est condamné. Je veux juste vous avertir des risques que vous allez encourir. Votre boulot de chirurgien, c'était de me découper. Alors, votre copain vous l'avez fait. Très bien. Et pour le reste, j'ai une kiné. Ce qui vous emmerde, c'est qu'elle remonte elle aussi. Vous avez raison. Parce qu'un arbre deviendra une alpiniste de haut niveau. Et elle va se tirer de cette clinique de merde. Et moi aussi. Bon, ça va? Tout va bien? Pas trop lourd? Bon, bah très bien. Donc maintenant, on attend que ça sèche et ensuite, on fait une emboîture. D'accord? Parfait. Tu sais, cette prothèse, ça va être beaucoup plus qu'un bout de plastique pour toi. Il va falloir que tu l'intègres. Ça va faire complètement partie de ton corps. Tu comprends? Waouh, super! Tu progresses de jour en jour. Mieux que toi. Il y a combien de temps que t'as pas fait un jogging ou un 50 mètres crawlé? Eh ben tu vas voir. L'intention de grimper, on a peut-être pensé à y travailler. Hein. Eh ben on y retourne. Si rouillé que ça. Voilà, chaussez votre prothèse. Comme ceci, vous tirez sur le gazon. Lavez complètement. Voilà, posez derrière. Je vous pose la ventouse. Voilà. Bien. Il va falloir être très patient. L'adaptation va te demander un petit moment, d'accord? Alors, beaucoup de patience. Mais il en déborde. Ouais. Paul, tu es prêt? On fait les premiers essais? Patricia, tu vas m'aider, on va l'amener au bar parallèle. Très doucement. D'accord? Ok. Vous attaquez par le talon. Oui, on est presque. Le talon, comme ça? Oui. Hein? Prêt à décoller? Vas-y. Allez. C'est parti. Ah, pas trop vite. Hein? Ça va? Bien. Regardez-moi ça. Hein? Doucement. Là, on va faire demi-tour. Très doucement. D'accord? T'as tout ton temps. Tout ça est parfait. Tu te sens bien? Ça va, ça va. On continue? Et allez. C'est parfait, Paul. Ouais. Ça va, Paul? Je t'avais dit, c'est un processus qui prend du temps. Allez. De la patience. Bien. Bien. T'inquiète pas, Paul. Accroche-toi. Voilà. Rose. Rose. Le petit déjeuner est servi. Rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Rose. Rose. Mais
c'est quoi tout ça? Oh, c'est à moi. Des bijoux. Oh, c'est de la récup. La récup? Mais tu m'as tout n'importe quoi. Un magnétoscope. Oh. Un caméscope, mais... Hé, hey, c'est ma chambre, ça, ou pas? Mais attends. Mais c'est pas possible. Alors arrête de jouer aux flics. Il y en a pour une fortune, Rose, là. Oh, j'en ai marre, moi, de cette baraque. C'est pire qu'une prison. Comment ça, une prison? Ça suffit, Rose. À quoi tu joues, là? Hé, c'est quoi, ça? Ton mousqueton est bien mis? Voilà. Je suis assuré. Ah, il est bien mis. OK. Ah. Bon, de toute façon, Rémi, tu l'assures bien, hein? Bon, allez, Paul, tout va bien se passer, hein? Pas d'appréhension. On se fait ce petit mur et après on attaque l'Everest, OK? Tu crains rien, de toute façon, il y a Rémi qui est là qui t'assure. Alors, tu vas bien t'appuyer sur ta jambe droite, voilà. Ça va te servir d'appui. Alors, tu vas essayer de prendre des prises avec tes mains. Et alors, voilà. Lance, voilà, tu essaies de poser ton pied gauche là sur cette prise. Bien, là, là. Voilà, tu y es, super. Bien, bien. Et tu te hisses. Bien, tu te rééquilibres bien. Voilà. C'est tout bon. Allez, vas-y. Tu vas essayer d'aller chercher une autre prise, là, là-haut à droite. Oh là, ah. Attends, Paul, Paul, attends, attends. Attends, attends, viens. T'es assuré, tout va bien. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. T'as quand même pu te hisser, c'est génial. J'ai mal à ma jambe. Merci, Rémi. Et tu pensais quand même pas filer au Grand Joras juste 15 jours après avoir mis ta prothèse, quand même, non? J'ai mal à cette jambe. J'ai mal à cette prothèse. C'est normal, Paul, ça. C'est la mémoire de ta jambe qui est inscrite dans ton cerveau. Ça s'appelle la douleur fantôme. C'est à cause des terminaisons nerveuses. Et tu sais, il va falloir que tu t'habitues à ça parce que... ça risque de revenir assez souvent. Mais si, tu arriveras, tu vas voir. Je te dis qu'on y arrivera. Légalement, je ne peux pas m'opposer à sa sortie et c'est bien dommage. Mais je suis médecin, pas flic. Il sort vendredi. Emmène-le dans ta montagne et amusez-vous bien. Moi, j'ai affaire. Ah, je t'arrête tout de suite. La morale, ça va, il vient de m'en faire pendant 2 heures, ok, on est au complet. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ton soutien. Tu sais, je crie pas sur les toits, mais en fait, je crève de trouille. Bah, tu ne vas probablement pas aimer, mais je peux pas te soutenir, et pour plein de raisons. Je les connais, tes raisons. Tu te sens trahi, hein, c'est ça? Bah ouais, c'est toi qui m'as trouvé ce job ici, alors tu te dis, qu'est-ce qu'elle me fait maintenant? Elle va me laisser tomber, elle va tout quitter. Hmm? Bon, Viviane, si j'ai des messages, vous leur donnez mon numéro au chalet, d'accord? Alors, on vous revoit quand? Bah, peut-être jamais. Non, je plaisante, dans 4 jours. Vous vous rendez compte? La direction m'offre 4 jours de congé payé. Formidable, non? Ça, c'est pas à moi que ça arriverait. Ah oui, mais pour ça, faut beaucoup ennuyer le monde, hein. Beaucoup. Ça y est, c'est le départ? Amy. Vraiment, vous allez partir? Ben oui. C'est que quand vous êtes parti, vous, même un TGV ne peut vous arrêter. Bon, allez, j'y vais. Au revoir. Quand tu seras là-haut, ça te protégera. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gris-gris? Oh, si tu veux. Ça vient de chez moi. C'est superbe. T'aimes bien? Un jour, tu viendras là-haut avec moi. Merci. Moi aussi, j'ai quelque chose à te proposer. Ça va? Pas trop fatigué?
Ça va. Allô? C'est moi, ça va? Ah, Paul! Oui, ça va. Ah, ça va très bien. C'est vraiment cool chez toi. Ça te plaît? Ouais, merci beaucoup. Hein. Ça change, ça me détend. Ouais. Et puis les bois, tout ça, ouais. Mmh. Hey, Joséphine. Quoi? Tu vas peut-être la prévenir. Ah non! Non, pas tout de suite. J'aimerais mieux. Non, pas encore. Alors? Moi, je te propose, on monte par le glacier d'Argentière. On dort au refuge. Voilà. Demain, on se fait la voie couturier. Et après-demain, si tout va bien, on flirte avec le ciel. Ça te va? Ça va. Avec ça? Bah, pourquoi? Non, mais attends, ta dernière grande course, ça remonte à quand? Bah quoi, il est très bien, mon matos. Tu pourras le renouveler, hein. Je te promets que si là, on croise quelqu'un... Moi, je te connais pas. Sympa. T'as la trouille. Et toi? T'as raison. Fallait pas s'échanger le matériel avant. Hein. Celui-là, il a vécu. Tu sais, jusqu'à maintenant, j'ai cru que tout ça, c'était du bluff. Tu me baratinais pour me pousser à remarcher. Ben non, c'était pas du bluff, tu vois. Je vous le passe, ne quittez pas. Bonjour, Anne Belfond, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Vous avez des crampons et des piolets? Pardon? Oui, parce qu'en ce moment, pour la voir, il faut aller là-haut, sur la montagne. Quelqu'un approche d'elle ici parce qu'il y a un petit problème. Je vais essayer de vous trouver quelqu'un. Oh! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh là là! On va faire un constat? CD, magnétoscope, enfin le matériel habituel. Il faudrait que Madame Belfond le signe. Vous avez un problème, madame? Non, non, non. Excusez-moi. On va accorder une minute, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tiens, tu me relèves les empreintes? Putain, mais c'est pas vrai! Imagine qu'il fait moins 15. T'es bien. T'es seul au monde, t'as le portable qui sonne. Le portable, ça va tuer l'alpinisme. Bon, allez, c'est le dernier avant l'ascension, je te promets. Allô, oui? Vous avez été cambriolé. Quoi? Oh merde! Ils ont tout cassé, c'est terrible. Ils ont tout emporté, tout ce qui se revend, magnétoscope, télévision. Mais le plus terrible, c'est que je crois que c'est Rose. Oh, c'est pas possible.
Écoutez, ça a été cambriolé, alors ça risque plus rien maintenant, hein. Non, non. Il faut que vous reveniez, Anne, pour le conseil, les gendarmes, il faut venir pour l'assurance. Non, même si ça avait brûlé, je reviendrai pas. Mais c'est pas grave, je verrai tout ça à mon retour. D'accord. Oui, merci, hein. Ok, merci. Au revoir. Qu'est-ce qui a brûlé? Rien. Comment ça, rien? Rien, je te dis. Alors tu viens, tu pétoches. Qu'est-ce qu'elle voulait, Joséphine Becker? Mon chalet a été cambriolé. Ah et bon? Tu sais par qui? Par Rose. Incroyable, hein? Ça t'apprendra. Bah, quoi? Toi, Esther, vous avez pas arrêté de la saouler, la pauvre gamine. Ah. T'es peut-être bonne comme kiné. Alors pour le reste... Ouais. Et tu crois qu'elle t'a pas vu venir avec tes gros sabots? Tu fais de l'humour, mais je te signale que c'est pas facile pour Esther, tu vois. Pas facile. Et tu veux quoi? Tu veux l'aider? Tu veux jouer les éducatrices? Mais tu fais pas le poids. Ah ouais, pourquoi? Tu le ferais le poids, toi? Peut-être, ouais. Ouais. Bah tu vois, je suis pas mesquine. Il y a quand même deux, trois trucs auxquels je tiens dans mon chalet. Anne, passe-moi ton portable. Le portable? Pourquoi faire? Je l'ai coupé, je croyais que ça polluait. File-le-moi. Tiens, tu vas appeler qui? C'est quoi le numéro de Joséphine Becker? Ah bah là, elle est chez moi, elle est au chalet, là. Merci, Paul. Merci pour votre aide. Merci. Donne du mou. Calme-toi. Ah. Voilà. Calme, calme. Ouais. Ouais. Bien. Ouais. Bon. T'aurais quand même plus mon courage à moi, hein. Tu veux peut-être aussi que je passe en tête? Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, le chalet des Mélès. Ah bah vous tombez juste, gardez voir, c'est celui qui a trois pètes là sur votre droite avec le gros tas de bois là. D'accord, merci. Au revoir. C'est ton ami Paul qui m'a fait savoir que tu étais ici. Enfin, Rose, la maison d'Anne, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Je suis malheureuse. Même Paul n'en revient pas. Tu le déçois beaucoup, tu sais. Ok, on n'en parle plus. Je vais voir Anne et Paul grimper. Tu veux venir? Rose, je sais, je n'aurais pas dû te laisser si longtemps sans moi. Tu viens? Écoute, c'est pas moi qui le demande. C'est Paul. Tu es venu là pour? Pour toi? Et pour qui d'autre je serais venue? Jusqu'où tu peux aller pour moi? Jusqu'où une mère peut aller? Allez. Vite.
trop. Hein. Ok, on y va. Mais dis donc, il m'en aura fallu du temps pour refaire ça. Hein. Ça va? Ah, un peu trop creusé. C'est bon? Et dur, hein? Ah, mal sang, hein? Voilà pour moi. C'est OK? Oh, Paul! Oh! Oh, qu'est-ce que tu me fais, là? Paul! Ça va de la gueule, hein? Un dernier saut de l'ange! T'arrête, t'es pas drôle. Je suis infirme, Anne. C'est jamais drôle, les infirmes. J'ai fait un beau bout de chemin pour un infirme, tu crois pas? Je suis plus bon à rien. Il me reste plus qu'à prendre avec la carte d'invalide. Avec ça, j'aurais peut-être une réduction sur le téléphérique. Oh, mais arrête. C'est pas drôle, je te jure. Tu peux pas t'empêcher. Et quoi? Tu peux pas t'empêcher de me faire croire que tout va bien. Normal. Elle est où, Maggie Paul? Elle est où? Elle est dans un sac congèle! Dans un sac plastique! Laisse-moi! J'en peux plus, ça me fait mal! Je les vois déjà, les gens. Regardez ce pauvre type! Je suis jeune. J'ai le cachet. Mais j'aurais préféré crever, putain. J'aurais préféré crever. Ça aurait été plus simple. Allez, Paul. Arrête, Paul. Arrête. Claire. Elle est où, Claire? Mais elle, elle est partie. Elle ne pouvait plus aller d'être ce moignon. Comment je vais leur dire enfin? Enfin. Accidenté passe par là. Le truc, c'est de pas céder à la tentation. Ça t'arrête jamais, hein. Putain, mais y a personne. Y a que toi et moi. Y a personne de planqué sous le rocher. Qu'est-ce que tu m'emmerdes encore avec ta morale? T'es persuadé que ta méthode, elle a marché, c'est ça? Elle va jamais. Pas une seconde. Bah t'es là quand même. Je vais voir si t'avais le cran, ouais. Je croyais que t'oserais pas. Tu m'en veux depuis longtemps, hein? Tu m'en veux depuis 3 ans? Tu m'as jamais pardonné, c'est ça? Je me souviens de tout, Anne. Ouais, moi aussi, je me souviens. Non. Toi, tu te souviens de ton expédition? Ta préparation, ouais. Ta course dans l'Himalaya. Tes sponsors, ouais.
J'ai jamais oublié ce qu'on avait partagé. Jamais. Moi non plus, j'ai jamais oublié. C'est pour ça que t'étais aussi dure avec moi, hein? Ramène pas toi et toi, ma belle. Je te rappelle qu'on va quand même couper une guibole. Tu sais, la petite Rose, t'es son héros. Je te regarde comme une idole. Alors mérite ce regard qu'elle porte sur toi. Mérite-le. Allô? Mathilde? Quoi? Mais non, tu sais comment elle est, elle a dû couper son portable. Oui, j'arrive. Oui, mais bien sûr que j'arrive. Qu'est-ce que tu veux? Pour moi, les courses, c'était râpé, alors. J'avais pas le choix. Fallait bien que je réussisse autre chose. Puis je voulais prouver à tous les clins de la planète que je valais mieux qu'eux. Alors, j'ai travaillé dans cette clinique, et puis forcément, petit à petit, je suis devenue un peu comme eux, quoi. C'est pas encore trop grave, ça peut se soigner. Il te faudra une bonne rééducation. La rééducation, tu t'y connais, hein. Elle t'arrête jamais, toi, hein. Bah non. C'est bon pour ta santé. Tu sais ce qui va être bon pour ma santé? Ça va être de dormir. Oh, je suis claquée. Moi aussi. Je te crois, ouais. Alors, tu vois quelque chose? Les voilà, les voilà! Là-bas! Oh, ben, ils sont presque arrivés, ils vont bientôt sortir. Regarde, il doit leur rester une dizaine de mètres. Qu'elle est têtue, vraiment, cette fille, hein? Vraiment têtue, hein? Marc, il y a une chose qui est bien là-dedans, c'est qu'elle nous prendra plus la tête avec sa montagne, hein? Oui, ou alors ce sera l'inverse. Et alors là, tous aux abris. On y est presque! Ça y est! Allez, Paul! C'est tout bon! Allez, ça y est! C'est OK! Allez, plus qu'un mètre! On a gagné! Waouh, c'est génial! Waouh! Waouh! Oh my god! Allez, allez, dernier mètre! Waouh! Regarde ça! Tu l'as fait, Paul! Oh, c'est génial! On a gagné! Grâce à toi, oui, tu m'as donné le courage. Je t'ai sûr que moi non plus, je pensais pas revenir là un jour. Waouh! Viens là. Je reviens. Waouh!
prendre une douche. Change ton sac.